Un camp d'entraînement comprenant 6 terrains de football, un centre de formation de haut niveau tourné sur la Méditerranée et une école dédiée à 80 jeunes en convention de formation. C'est ce que le club de l'ACA ambitionne d'installer ici pour 10 millions d'euros dans la vallée du Roupionne, sur la rive sud d'Ajaccio. Un projet de 4000 m² de bâti sur 10 hectares appartenant à Pietrosella. Un bail longue durée validé par le conseil municipal qui y voit un coup de boost pour la commune. Il nous faut pas être simplement une commune dortoir, pas être simplement une commune résidentielle. On a aujourd'hui 60% de résidences permanentes et 40% de résidences secondaires. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'inscrire Pietrosella dans un développement dynamique et pas simplement rester subir notre développement. L'ACA entre dans la phase de réalisation de son projet initié il y a 3 ans. Pour y parvenir, il a fallu vendre ce terrain d'entraînement de Timizoulou, un quart du foncier du club, pour plus d'1 million d'euros. Les acheteurs, un groupe d'investisseurs du continent, dont l'identité n'a pas été dévoilée. L'objectif du club, c'est de pérenniser le club et de pérenniser l'entreprise. Aujourd'hui, c'est de créer une zone d'activité autour du stade qui réponde aux enjeux du football de demain et en même temps de créer un centre de formation qui rapidement, on l'espère, obtiendra la catégorie 1 et en même temps deviendra un centre de formation euro-méditerranéen. 1,5 hectare vendu sur les 8 hectares de foncier que l'ACA possède autour du stade. Des terrains situés en zone constructible sur le plan local d'urbanisme, à condition que le bâti corresponde à des objectifs touristiques, commerciaux, de loisirs ou sportifs. Il représente un réel atout pour pérenniser le club dans le milieu du football professionnel.